quoi son truc? Bah, en fait, on va faire de la promo pour la pièce, Les Fantômes de la rue Papillon. Donc, comme. Mais j'ai été fait sur les fantômes de la rue Papillon, tu vas pas m'emmerder encore avec ça. C'est important, le public il doit savoir. Le Le public. public, il sait ce que c'est les fantômes de la rue Papillon. De toute façon, j'enregistre pas, mais la rue Papillon, mais à qui tu vas prendre? Tu as fait un casting de 10 acteurs, 10 comédiens. Bon. Demande à. Tiens, demande à commencer. Bah, je dis Eddy Monio, Michel Jonas. C'est moi, Eddy Monio. Bonjour, c'est moi. Ah, c'est pas ici, il est là aussi. Oh, mais tu es un fou, toi. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais puisqu'on a changé. Il n'y a plus Samy Seguir. C'est ça que tu voulais? Voilà, bah, demande-le. Mais je ne savais pas, moi, je suis le dernier au courant. Il n'y a plus Samy. Bon, il n'y a plus. Aïssa. Ah, Aïssa. Ah oui. Bah, c'est joli, hein, Aïssa. C'est joli. Ça veut dire Jésus. Ah, l'homme au miracle. T'as retrouvé ma famille. Ça ouais. tombe bien, Aïssa, oui. parce que j'ai un grand Toi. Service à te demander. C'est quoi? Je sais pas pourquoi. On va prendre c'est comme une tout intuition. On tous les deux? Tous les deux. Que c'est possible. Tu vas m'aider à retrouver ma famille. Ouais. C'est Neuilly sa mère 2, je crois. Neuilly sa mère 2. Neuilly sa mère 2. Neuilly sa mère 2. Ouais, exactement. Neuilly sa mère 2. Neuilly sa mère 2. Ah, c'est quoi qui merde? Non, c'est pas Samy. Non, il merdait pas Samy. Bon, enfin bref. Non, voilà. Et bon, c'est Neuilly sa mère 2. Ouais, le pauvre, bien sûr, on comprend avec le film. Donc on s'est dit, alors j'étais en vacances, il m'a dit, ouais, putain, j'étais là, merde. Mois d'août, hein. Après mois d'août, j'ai dit, putain, faut que je fasse un casting et tout, faut que je rentre. Donc faut que je rentre. Donc je suis rentré. Ah, tu m'as fait rentrer plus tôt aussi, pas Ouais, toi aussi, plus tôt, ouais. Elle était là, pam, allez, merde, qui on va prendre? Alors, bon, des rebeux, il y en a partout, hein. Et ils partent pour vacances, les mecs, ils sont là. Hein. Donc, il n'y a pas de problème de ouais. casting. Merci pour eux, tu vas te faire des amis. Alors, bon, voilà. Donc, les mecs, ils étaient tous là. Donc, tu dis casting à un jeune de 22 ans, tu n'as que des rebeux qui arrivent au mois d'août. Ils sont tous là. C'était, de toute façon, tu devais prendre un rebeu. Et puis, en fait, je me suis dit, allez, je vais travailler un peu. Donc, j'ai appelé ma fille, tu sais, j'ai ma fille, la Yante, la canon. Hein. Ah. Allez, tu peux te faire là. Oui, chez toi, tu vois, il faut pour toi, viens ici. Là. Oui, elle est là, Yante. Bonjour. Voilà, c'est Yante. Moi, c'est moi, Eddy. J'ai dit, tiens, bah, je le connaissais, c'était bien. Moi, j'ai dit, ouais, bon, bah, allez. Et donc, on a fait notre petit casting. Il est venu, le petit. Ah ouais? Elle est venue avec sa maman, avec sa manager. Ah, maman, tout ouais, ça. Tout ouais, elle est blonde et tout, il est venu. C'est ça, ma mère, ouais. Oui, elle est blonde, ma mère. Et il a fait ses essais. Bon, non, plaisante mise à part, on a vraiment vu des gens très très bien. Mais il y avait Eddy. C'était il y avait le petit truc. Le casting était serré, on va dire. Il y avait le petit truc comme ça qui était là au-dessus. Donc, on a pris Eddy. Voilà. Et sans passe-droit. C'est pas parce qu'il est avec une blonde, c'est pas parce que ma fille, il est venu, c'est lui il qui a pas été un peu pistonné. Pas, tu sais bien qu'avec moi, il n'y a pas de piston. Hein. Ah ben oui, ça, c'est, voilà. on le il sait. Il est là parce que ça a été, voilà. Et c'est vrai qu'il y en avait 5-6 autres qui étaient vraiment bien. 5-6 000 autres. Et voilà, il y a un petit qui était vraiment bien. Bon, bon voilà, c'est Eddy qui est là, il a fait du théâtre. Et on ne s'est pas trompé, puisque en répétition, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as plus tilté sur Eddy que sur les autres parce qu'est-ce, mais qu'est-ce parce qu'il y a que après c'est une histoire de voilà de, c'est le film quoi c'est le truc et puis il y avait les producteurs il y avait d'autres gens avec moi que tout le monde après dit, ouais, c'est, ils étaient là tous ouais, c'est Eddy t'es un peu là rien ah bah ah oui ah bah oui c'est Eddy ouais. Hey, solo Eddy Monio voilà ouais je m'en rappelle bien ouais. Donne-moi trois raisons pour venir. Trois raisons. Alors, première raison, il faut venir déjà parce que c'est Dom qui a écrit la pièce. Et c'est, puis, c'est une bonne pièce. Hein. Je dis pas ça parce que je joue dedans, quand même un peu. Faut venir aussi parce que c'est une bonne pièce. Bon sang, bonsoir. Merde à la fin. En plus, c'est non, mais moi je l'ai lu la pièce quand même. Non, mais voilà. Non, mais voilà, mais ça m'énerve. Pourquoi voilà. ça t'énerve, mais parce que là, on dit pas là, les choses là. Mais là, c'est une bonne pièce. Voilà. J'ai un train à prendre, j'ai 10 km à faire. Ah oui, si vous m'avez retiré Samy, vous m'avez retiré Michel, putain. Qu'est-ce que je deviens, moi? Voilà. Il n'y a plus qu'à me retirer ma femme, après c'est mort. C'est au théâtre de la Bruyère, hein, donc à partir du 4 octobre. Voilà. On a changé de théâtre? Oui. Putain, mais dites pas les trucs hein. Oui. Alors, non, c'est plus ici, Dom. C'est ah plus. Bon non. Ah oui, papa, c'est plus ici. Oh, j'arrête. On a la bourre un peu là. C'est bon? Tout le monde est prêt? Ça tourne!
plus. Les fantômes. De la rue. Papillon. Un con. Théâtre de la Bruyère. Tiens. Allez, prends les cachets. Mon Dieu, mais pourquoi vous faites ça? Les fantômes de la rue Papillon. Un con.